aujourd'hui. Donc un petit mot pour mes abonnés et les autres éventuellement, ceux qui ne sont pas abonnés et qui peuvent le devenir éventuellement. J'ai préparé, alors je vous avais fait une première séance d'entraînement, séance numéro 1, vous vous souvenez? Bon, eh bien je viens de faire la séance numéro 2 que je vais poster dans la journée, je pense. Enfin, poster entre guillemets, que je vais mettre sur YouTube dans la journée. Donc je vous invite à la visionner au moins une fois. Mettez-vous en tenue sportive, mettez-vous dans un endroit bien aéré, si possible dehors. Et puis suivez les consignes, suivez les mouvements que je fais. Ça dure une quarantaine de minutes peut-être. Là j'ai fini ma séance de sport, je viens de faire l'entraînement des arts martiaux, je viens de courir une dizaine de kilomètres en parallèle. Alors maintenir la forme, c'est pas toujours évident, mais c'est indispensable. À 61 ans, si on veut rester en forme, il faut faire du sport, c'est indispensable. Il faut manger correctement, alors ça ne veut pas dire beaucoup, mais ça veut dire avoir une bonne diététique, bon régime alimentaire, manger ce qu'il faut, glucides, lipides, protéines. Un bon sandwich est quelquefois bien meilleur qu'une pizza ou qu'un McDonald's, admettons, qui font grossir. Il y a des sauces qui sont bonnes, évidemment, mais qui sont au niveau digestion, bon, c'est pas le top, quoi. Un bon sandwich, voilà, c'est bon. Bon jambon, évidemment. Alors, comment reconnaître le bon jambon? Ça, c'est une affaire d'impression. Bon, mais un bon jambon, ça se trouve chez le charcutier, en général. Bon, ils en vendent aussi dans le commerce sous forme de produits empaquetés, tout prêts, etc. Bon, c'est bon aussi. Allez, mettre un petit peu de beurre, alors du vrai beurre évidemment, hein. Et puis, donc le pain en lui-même, c'est une source d'amidon. Voilà. Donc c'est important, amidon pour le glucose. Glucose oxydé par le dioxygène permet, grâce à cette réaction chimique, de produire de l'énergie pour que la fonction cellulaire musculaire soit possible, en fait. Voilà, donc je tourne ici. Alors, je change un peu de main parce que ça fait un peu mal à la main. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors mettez-vous en tenue sportive, et puis essayez de suivre mon deuxième entraînement. Alors, c'est basé sur quelques mouvements d'arts martiaux. Ah, ma batterie est faible, évidemment. Bon, voilà, quelques nouvelles du jour. Moi, je suis dans la nature, j'aime ça, ça me ressource. Et de toute façon, je suis d'une nature optimiste, alors comme vous, hein, comme vous tous. Alors, merci à ceux qui me suivent. Merci aux autres aussi. Hier, on a fait un petit défi, voir le nombre maximum de vues en une demi-heure, puis une heure, puis une journée entière. Bon, c'est quand même monté dans les presque 200. Hein. Il y avait trois petites vidéos. On est monté à 200, c'est pas mal. Merci. Bon, alors, j'arrive à la voiture. Alors, à très bientôt. Très bonne journée et bon entraînement. Alors, où est-ce que j'arrête? C'est ici.